Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, et je chanterai ton nom, ô Dieu très haut, et en toi je chercherai mon refuge. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez les bienvenus ce matin en ce temple des eaux vives, où nous sommes rassemblés pour le culte dominical autour de la parole de Dieu, autour des signes, du pain et du vin. Et pour entrer dans ce culte et traduire concrètement ce que le vœu du psalmiste, eh bien nous allons chanter. Je vous invite à chanter au numéro 205, et nous chantons les trois strophes de ce cantique. La tradition de Marc rapporte qu'un jour, un scribe demanda à Jésus « Quel est le premier de tous les commandements ?» Et Jésus répondit « Le premier, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et nous prions. Dieu notre Père, Dieu de Jésus-Christ, tu es le Dieu unique, souverain et libre. Tu as fait de nous, êtres humains, la conscience de ta création. Et cette conscience, tu l'as conçue pour qu'elle en soit la lumière. Et cependant, tu sais à quel point, loin de répondre à cette vocation première, nous nous abandonnons à l'obscurité de la peur
des idéologies, de la colère. Oublieux de ta sainte volonté, nous allons par de mauvais sentiers. Nous ne voyons clairement ce qui est le meilleur, nous l'approuvons, et pourtant nous ne le faisons pas. C'est pourquoi nous avons besoin de ton pardon, sans cesse à nouveau renouvelé. Ô Dieu, fais-nous revenir à toi, toi que nous connaissons si mal, mais à qui nous appartenons. Envoie ton esprit de courage et d'amour, par lequel nous pourrons te servir comme tu le demandes. Aie pitié de notre misère et viens nous rencontrer, de sorte que, quels que soient les obstacles et les pièges qui se dressent sur le chemin de la vie, notre joie demeure. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevons l'assurance du pardon de la part de Dieu. Ceux qui se tournent vers le Christ avec confiance recevra de lui cette certitude. Je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse changer et vivre. Et confesserons la foi chrétienne. Nous croyons en Dieu, dont les appels répétés jalonnent l'histoire humaine. À plusieurs reprises et de diverses manières, il s'est fait connaître. Nous croyons que Jésus, notre Seigneur, nous a par sa parole révélé le Père et fait connaître sa volonté. Nous croyons en l'Esprit qui rassemble et suscite. Il donne vie à nos paroles humaines et il annonce le monde à venir. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 9, les versets 1 à 34, la guérison d'un aveugle. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question : Rabbi, qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents ? Jésus répondit : Ni lui, ni ses parents. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, Jésus cracha à terre, fit de la boue avec la salive et l'appliqua sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé », ce qui signifie « envoyer ». L'aveugle y alla, il se lava et à son retour il voyait. Les gens du voisinage et ceux qui auparavant avaient l'habitude de le voir, car c'était un mendiant, disaient « N'est-ce pas celui qui était assis à mendier ?
Les uns disaient, c'est bien lui. D'autres disaient, mais non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais l'aveugle affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, et alors tes yeux, comment se sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, m'en a frotté les yeux et m'a dit, va à Siloé et lave-toi. Alors moi, j'y suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. Ils lui dirent, où est-il celui-là? Il répondit, je n'en sais rien. On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de Shabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. » Parmi les pharisiens, les uns disaient, « Cet individu n'observe pas le Shabbat, il n'est donc pas de Dieu. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ?» Et c'était la division entre eux. Alors ils s'adressèrent à nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Mais tant qu'ils n'eurent pas convoqué ses parents, les Juifs refusèrent de croire qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue. Ils posèrent cette question aux parents. « Cet homme, est-il bien votre fils dont vous prétendez qu'il est né aveugle ? Alors, comment voit-il maintenant ?» Les parents leur répondirent, « Nous sommes certains que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. » Comment maintenant il voit, nous l'ignorons. Qui lui a ouvert les yeux, nous l'ignorons. Interrogez-le, il est assez grand, qu'il s'explique lui-même à son sujet. Ses parents parlèrent ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. Ceux-ci étaient déjà convenus d'exclure de la synagogue quiconque confesserait que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le. » Une seconde fois, les pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il leur répondit « Je ne sais si c'est un pécheur, je ne sais qu'une chose. » J'étais aveugle et maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi? Les pharisiens se mirent alors à l'injurier et ils disaient, c'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, c'est bien là, en effet, l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si un homme est pieux et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils ripostèrent. Tu n'es que péché depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon. Et ils le jetèrent dehors.
Notre Dieu, notre Père, envoie sur nous ton esprit afin qu'il ouvre ce récit ancien pour délivrer à chacun d'entre nous ce que tu as à nous dire maintenant. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à chanter au numéro 212. Le récit de la guérison de l'aveugle né occupe un chapitre entier de l'évangile de Jean. Cette guérison constitue le cinquième signe accompli par Jésus parce que l'évangéliste ne parle jamais de miracles, il parle de signes. Le lecteur est invité à ne pas s'arrêter à la guérison elle-même, mais à rechercher ce dont elle est le signe. Parlons d'abord de ce mendiant aveugle de naissance que Jésus croise dans la rue. Une croyance populaire prétendait qu'il existe une relation de cause à effet entre la faute et la maladie. Et selon cette croyance, l'homme que croise Jésus serait aveugle parce que coupable d'une faute. Et la privation de la vue, ce serait la punition de cette faute ou éventuellement d'une faute attribuée à sa lignée. C'est une croyance qui n'est pas sans faire penser au dogme extrême oriental du karma, selon lequel notre destinée est déterminée par l'ensemble de nos actions passées dans nos vies antérieures. Nous serions ainsi sous le coup d'une justice immanente perpétuelle qui nous ferait payer les fautes commises par nous ou par nos ancêtres. Jésus écarte d'emblée cette idée. L'aveugle-né n'est pas coupable. Il subit un malheur, et ce n'est pas la même chose.
un malheur, ça a une dimension accidentelle. C'est un événement destructeur qui vous tombe dessus sans qu'on l'ait cherché. Et il ajoute ce commentaire, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Voilà pourquoi il est aveugle. Et c'est un peu comme s'il disait, lorsqu'un malheur arrive, ne cherchez pas la solution en arrière. Vous savez, toutes les questions qu'on se pose, pourquoi moi ? Pourquoi suis-je puni ? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Etc. C'est un peu la question de Job, d'ailleurs. Mais recherchez l'issue en avant. Un malheur est susceptible d'être traversé. Il y a toujours un chemin. Et c'est en fait ce chemin qui peut-être est la solution. Nous comprenons en même temps que cet aveugle de naissance, il figure la condition humaine en général. Parce que l'aveuglement que Jésus guérit n'est pas simplement un aveuglement physique. C'est aussi et c'est surtout un aveuglement spirituel. Il s'agit de l'aveuglement de quiconque ignore la présence de Dieu dans sa vie. Et la condition première de l'humanité est justement d'être prisonnière de cette ignorance. Pour autant, elle n'est pas coupable. Il ne faut pas mettre la culpabilité là où elle n'est pas. Le drame de l'homme, c'est d'être enfermé dans cette ignorance, mais on ne peut pas dire que c'est de sa faute. Si cela est ainsi, nous dit le Christ, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors ça m'amène à ouvrir une petite parenthèse, mais que je crois importante, pour mettre un peu d'ordre dans ces histoires de culpabilité. D'habitude, nous mélangeons deux notions, la culpabilité et le péché. Et lorsqu'on entend le récit de l'évangéliste, il semble bien que les disciples ou les pharisiens mélangent aussi ces deux choses. Je crois important de remettre un peu d'ordre là-dedans pour savoir de quoi on parle. La culpabilité, c'est lié à la faute. On est coupable lorsqu'on a mal agi. Le rôle de la justice humaine, des tribunaux, c'est de statuer sur le degré de culpabilité par rapport à la faute commise et de prononcer une sentence en rapport avec ça. Le péché, c'est différent. Selon les Écritures, le péché désigne une donnée qui affecte, qui fait partie de la condition humaine, je dirais par nature. C'est à cause de ce péché que nous sommes dans cette ignorance, dans cet aveuglement qui nous éloigne de la présence de Dieu. Et permettez-moi une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, je crois, peut être éclairante. Vous savez que depuis l'invention et le développement des outils informatiques, il y a un mot qui est entré dans le vocabulaire, c'est le mot de bug. Le bug, hein ? Le bug, ça désigne un défaut de fonctionnement qui aboutit au plantage d'un système. C'est le moment où sur l'écran apparaît
l'annonce déprimante, erreur fatale. Ça nous est tous arrivé, mais selon l'écran sur lequel ça se produit, les conséquences peuvent être catastrophiques, évidemment. Et le risque de bug est impossible à éliminer. Il appartient à la nature même de l'outil informatique. Eh bien, le péché, c'est un peu la même chose. Le péché, ça consiste à dire que là où il y a de l'humain, il y a un bug possible. En tout cas, il y a ce risque. Il y a un risque d'erreur fatale, si vous voulez. Et c'est notre lot à tous, à chacun, de porter en nous ce risque. Le péché, ça n'est pas la faute. Le péché, c'est plutôt ce coefficient d'incertitude qui affecte le système humain et qui va faire que la faute devient possible. Si bien qu'on peut être en même temps pécheur et innocent, ce qui est le cas de cet aveugle né. Et nous nous débattons en fait dans cette tension-là. Je passe maintenant au geste que le Christ accomplit sur cet aveugle. Il fabrique de la boue avec de la poussière et sa salive, et il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle. Ce mélange de terre et de salive nous renvoie évidemment au récit des origines, à la matière primordiale et féconde d'où l'homme a été tiré, puisque le nom de Adam, Adam, ça signifie la terre, l'humus, et notre mot homme et humain, ça vient aussi de l'humus latin, c'est la même origine. Et c'est l'idée que le principe réceptif de la terre, mélangé au principe actif de l'eau, produit de la germination. Voilà, tous les jardiniers, les paysans, ils savent ça. Et il est indiqué par ce geste que l'être humain, il n'est peut-être pas encore tout à fait ce qu'il devrait être. Il n'est pas achevé. Cet aveugle né représente l'être humain non encore tout à fait abouti. Il est en voie d'accomplissement. Et son accomplissement, il passe par une révélation qui lui est adressée et qui va le mettre debout, si j'ose dire, sur ses deux jambes spirituelles. La jambe droite, qui est la présence vivante de Dieu dans sa vie, et la jambe gauche, qui sont les valeurs qui indiquent la marche à suivre. Vous vous souvenez de l'échange de Jésus avec Nicodème ? Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème n'y comprend rien. Comment, étant vieux, peut-on naître une seconde fois? Et ça signifie qu'il y a deux naissances. Il y a d'abord la naissance biologique qui nous vaut d'être au monde, et puis il y a la naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle, c'est ce qui va donner du sens à la première naissance. C'est ce qui va donner du sens au fait d'être au monde, dans le monde. Bon, la seconde naissance, c'est l'approfondissement de la première. Tant que tu ne seras pas né de nouveau, tu ne comprendras pas pourquoi tu es venu au monde. La guérison proprement dite, vous l'avez entendu, elle est suivie de deux scènes dont l'ironie est palpable. D'abord, il y a les voisins et les habitués de l'aveugle qui ne le reconnaissent plus. Ils s'interrogent. Est-ce bien lui ou est-ce quelqu'un qui lui ressemble ? L'évangéliste s'amuse à décrire la confusion provoquée par la guérison. L'aveugle est devenu un voyant. Il est donc un autre. Pourtant, c'est toujours lui. Mais c'est lui avec un plus, un acquis. C'est lui en plus complet. Quoique reconnaissable, il a changé. Il s'agit bien de la même personne, mais
qui a été transformé par un changement fondamental. Le positif du changement, c'est que ça veut dire que nous disposons tous dans notre existence d'une marge de progression. Mais le changement peut déranger les autres aussi. Il suscite des débats. Il en va ainsi de quiconque affirme sa foi. Mezzo voce, le récit, prévient qu'une forme de confrontation est inévitable. La présence de Dieu dans ma vie, elle change quelque chose pour moi, c'est-à-dire que je prends conscience d'une dimension que j'ignorais, mais elle change aussi quelque chose pour les autres, qui ne me verront plus de la même façon, et pour qui je peux éventuellement devenir un point d'interrogation. S'engager dans la foi, ça signifie assumer une différence qui ne sera peut-être pas toujours comprise. Et puis, dans la deuxième scène, ce sont les théologiens qui apparaissent, les pharisiens. Et là, c'est une autre affaire. Cette scène est violente. Elle se termine par l'exclusion de l'aveugle guéri de sa propre communauté. On le chasse comme un malpropre. En arrière-fond, nous parviennent bien sûr les échos virulents de la polémique qui a opposé les chrétiens et la synagogue aux alentours de la fin du 1er siècle et le début du 2e, qui est la date probable de la composition de notre évangile. Et la polémique s'est conclue par un divorce définitif. Impossible pour les tenants orthodoxes de la loi de Moïse d'admettre que Jésus soit un révélateur supplémentaire envoyé par Dieu. Impossible. D'abord, le signe lui-même entre en contradiction avec la loi, puisque Jésus guérit un jour de Shabbat. Un jour où le travail est proscrit, Jésus joue à faire le médecin. Ça n'est pas admissible. Et c'est une bonne raison de ne pas le croire. Et puis l'aveugle guéri, il est soumis à une véritable inquisition. Hein. Lui, ses parents, on l'interroge, il y a d'un aller et retour. Et il finit par répondre, si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il finit par répondre par une confession de foi. Mais les théologiens, ils ne l'écoutent même pas. Ils ont déjà leur avis. Ils croient déjà savoir, eux, qui est Jésus. Parce que ça fait longtemps qu'ils le suivent. Ça fait longtemps qu'ils l'ont à l'œil, qu'ils essayent de le coincer. Lui et ses disciples, ils ont déjà jugé. Et c'est une autre bonne raison de ne pas croire. Et c'est ça le grand paradoxe de ce chapitre. Alors que l'aveugle guéri s'élève jusqu'à la confession de foi, si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Le regard des théologiens, au contraire, s'aveugle progressivement. Il pense percer à jour, alors qu'en réalité, il ne voit rien. Ils sont spirituellement aveugles. Ils s'enferment dans leur obscurité. La confrontation atteint son apogée. C'est le grand malentendu qui se déploie dans tout l'évangile et dont la conséquence ultime sera la croix. Et le péché dont j'ai parlé tout à l'heure, il prend ici une tournure particulière. Il consiste à dire « nous voyons alors qu'on ne voit rien ». Charles Péguy disait qu'il ne suffit pas de voir ce que l'on voit, il faut encore le dire. Ce qui est en cause, c'est la prétention de l'être humain qui ne se fie qu'à ses propres lumières, qu'à ses certitudes, à son idéologie, à ses capacités supposées, qui en réalité le maintiennent dans l'obscurité.
Et finalement, c'est de discernement dont il est question. Est-ce que nous sommes capables de cultiver un doute suffisant sur nous-mêmes qui puisse agir comme un ferment d'éveil afin de recevoir l'éclairement que Dieu nous donne gracieusement? Il n'est pas exagéré, pour conclure, d'affirmer que notre civilisation moderne a atteint un point où, matériellement parlant, l'être humain voit tout. Il peut tout voir incomparablement plus que ses ancêtres du premier siècle. En 2012, le CERN annonçait la découverte de la particule élémentaire de la matière, le fameux boson de Higgs, dont on ne supposait que l'existence. En 2022 a été lancé le télescope spatial James Webb, qui permet de voir les confins de l'univers et peut-être de remonter presque jusqu'au moment de l'origine. Les scanners médicaux sont capables de voir à travers les corps pour détecter la moindre anomalie. Les satellites, les drones autour de la planète voient tout et font qu'il devient quasiment impossible de se cacher ou de s'échapper, ou en tout cas très difficilement, et ainsi de suite. Alors oui, mais la question est la suivante. L'homme moderne est-il capable de voir la présence de Dieu dans sa vie? Seule cette présence, reconnue, lui donnera la clé et le sens de tout le reste. Amen.
Entrons dans la liturgie de la scène avec ces mots du prophète Jérémie. Voici les jours viennent où je conclurai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Rappelons-nous comment le dernier repas de Jésus est rapporté par la tradition évangélique. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. » Et je vous invite à chanter au numéro 224 et nous chanterons les trois strophes de ce cantique. Attendez, excusez-moi, c'est le 365. Excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est de ma faute. Numéro 365, voilà, excusez-moi. 265, oui. Oui, parce que je crois que les numéros n'ont pas été mis sur le... Voilà, 265, les deux strophes. Et je prie les conseillères de bien vouloir s'approcher et monter. Prions. Seigneur, rassemblés autour de cette table, nous célébrons l'œuvre de Jésus-Christ, ton serviteur et notre maître. Par lui, nos vies s'accomplissent en s'ouvrant sur ta lumière.
Sa mort fut son dernier geste d'amour et son esprit est agissant à jamais. Il nous conduit à ta présence. Envoie sur nous cet esprit afin qu'en recevant ce pain et ce vin, il nous soit donné de communier au Christ vivant, que nous soyons rendus plus fermes dans la foi, plus ardents dans l'action et plus forts dans l'épreuve. Et dans cet esprit, je vous invite à faire monter vers Dieu la prière que Jésus a enseignée aux disciples d'une seule voix, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce pain que nous rompons est le signe de notre communion avec celui par qui nous sommes les enfants du Père. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le signe de notre communion avec celui qui est vivante à jamais. Venez car tout est prêt, la table sainte appartient au Seigneur, c'est lui-même qui vous invite. Répondez en toute liberté à son invitation. Venez car tout est prêt. Ô Dieu, garde nos cœurs ouverts à la richesse de la vie, à proximité de ta présence immuable. Accepte notre gratitude. Garde-nous disponibles à ton écoute, toi qui es la source de notre être. Amen. Parmi les annonces de ce jour, je vous rappelle que dimanche prochain, nous serons donc le dimanche de la Pentecôte, et de façon exceptionnelle à Champel, il y aura une confirmation. C'est un catéchumène qui a suivi avec moi un parcours à distance, parce qu'il n'était pas à Genève, et qui l'a terminé, et qui donc confirmera, ce sera donc un culte de confirmation aussi, le jour de la Pentecôte, au temple de Champel. Je crois que quelqu'un d'entre nous a une annonce à faire et je lui cède volontiers la parole. Merci.
Et bien sûr, après la bénédiction finale, vous êtes invité à partager un café dans la salle de paroisse préparée par, par Daniel, que je remercie de cette manière de servir la paroisse. Nous chanterons au numéro 354. Pendant le chant, votre offrande sera recueillie. Soyez remerciés de votre don qui permet à notre paroisse de poursuivre sa mission. Nous chantons les trois strophes de ce cantique « Dieu Tout-Puissant dans ta bonté ». Recevez de la part de Dieu sa bénédiction. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même sa paix en tout temps et de toute manière. Allez dans la confiance que la joie de Dieu sera votre force. Par Jésus-Christ. Amen.